Bonjour à tous. Alors, dans cet épisode, je vais essayer d'aller récupérer un peu de fourrure pour l'armure qui résiste bien au froid. Alors déjà, petit truc bête, mais je vais faire des petites prises de sang. Là. Pour ceux qui connaissent pas, ça permet effectivement de se faire, on va dire, équivalent une potion de soin. On se fait une auto-transfusion avec son sang, on récupère 40 points de santé. Dans ce cas, c'est qu'on les perd à chaque fois qu'on s'en fait une aussi. Hop, enfin voilà, vu que là je suis au chaud, que j'ai de quoi bouffer, je suis à l'abri, je peux me permettre de me faire au moins deux poches comme ça, qui durent une demi-heure chacune, on sert à rien non plus de se tirer dit 200. Ça fait juste le petit truc en plus qui permet de moins craindre de se faire tuer bêtement. Je vais me prendre un petit stack de bouffe. Des baies, je dois en avoir encore plein. Ah bah oui. Allez. J'ai pris pas mal de flèches. J'ai des pioches, haches, tout ce qu'il faut. Faut que je remplisse mes gourdes, ouais. Non plus que ça. Je regarde, ça y est, mes points de vie ils sont déjà remontés, je suppose. Là, je vais pas le voir sur le bestiau, mais. Ouais, ça remonte tranquille. On prend la gourde, l'argent à vis, et on fonce dans le nord. Je vais essayer de trouver les mammouths les nœuds. Enfin, je vais essayer, je vais les trouver, il n'y a pas de raison. Normalement, ça pose pas plus de problèmes que ça de les trouver, ceux-là. Il y a les rhinos qui donnent de la laine aussi, mais ils sont un peu chiants à tuer et ils s'en donnent pas particulièrement plus pour autant. Allez, c'est bon, il est. Ouais, il est vide lui. Je pourrais pas un bestiau qui est déjà plein, ça serait un peu con. Bon, bah, je vous donne rendez-vous qu'on sera sur la zone de chasse près du volcan. On va suivre le kangourou. C'est dans le secteur de toute façon. Ça speed hein, ces trucs-là, je serais curieux d'en monter un pour voir. Bah, oui, on va se faire plaisir au niveau vitesse. Ah, ça c'est l'airdrop plus costaud, ça je peux pas récupérer, je sais plus à combien c'est. Merde, je suis déjà congelé, voilà les rhinos. J'ai quand même regardé mais je crois pas, hein. Je sais pas, c'est pas à 60, ouais bah voilà. On y est pas. Alors. Je vais éviter de friter avec les autres argentavis pour rien. Qu'est-ce qu'on a de beau par ici? Du rhino, du. Mais merde! Je veux du mammouth, moi, pas du rhino! Ça en donne aussi, mais. C'est beaucoup plus casse-pied à tuer, quoi. Ouais, T-Rex, encore moins. C'est pas ça qui aime donner de la fourrure. J'ai très froid, comme d'hab. Mais je suis étonné, d'habitude j'en ai un paquet ici. Des loups, mais bon, il y en a plusieurs, donc ça se trouve, bah voilà, j'allais dire, ils ont tout bien fait le ménage. J'en vois un là qui est mort. On va récupérer les restes. Putain, un loup, ça pue. Ah. Ils vont bien me bouffer la carcasse. Non. Il y en a quatre. Je suis sur leur terrain de chasse là, c'est pas bon. Bon, faudrait que je me les flingue, mais. Ils sont rapides, hein, ils sont rapides à venir, c'est dangereux. Hop là, hop hop hop. Mais putain, monte! J'avais un vieux bug là, ça devait pas monter. Je me suis fait peur tout seul. Je sais pas si c'est parce que j'étais en train de charger l'arbalète, mais j'arrivais pas à monter. C'est un truc qui est resté. Bon, qu'est-ce que je fais? Tant pis, je m'attaque au rhino. Ah, 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 non. Voilà une proie qui me branche bien. J'ai déjà perdu un petit peu de ma vie là, ça fait chier.
Il y en a plusieurs dans le secteur, donc ils vont tous s'entraider. Narjantaviski va faire chier. Oh! C'est difficile comme zone de chasse, sans petit Rex. Allez. J'ai visé à côté, je le crois pas. Pourtant, c'est gros, hein. Putain, ça serait pas le. Non, c'est lui. Il est où l'autre? Pleine tête, allez. Mais crève. C'est pas super rapide, c'est l'avantage. Ah, le con, il a essayé mais il n'a pas réussi à me toucher. Ouais, on court. C'est le bruit que je me suis pris là. Je vais boire une petite poche de cendre, ça ne fera pas de mal. Bon, si je le descends pas rapidement, je prends l'argent de ta vie et je le finis avec, tant pis. Parce que là, j'ai pratiquement plus de points de vie, j'allais dire, voilà. Tu es jeton celui-là. Allez, fourrure, fourrure, fourrure. Je sais plus si la fourrure c'est mieux avec la pioche ou la hache. Merde. Je suis pas en grosse forme. Hein. Ça fait mal, hein. Puis ce froid là. Il faut que je reparte là-bas. Bon, à ce rythme-là, ça va être long quand même. Non, j'y retourne, mais je suis déjà pas vaillant au niveau niveau point de vie. Qu'est-ce que je fais? J'en profite qu'ils soient occupés pour les esquinter encore plus. Ça va quand même être dur, hein. Il est bien esquinté, mais il n'est pas cuit. Si, ça y est. Lui, il est fait. Il est fait, mais mon argent à vis. C'est pas la grosse forme. Je prends de la hauteur parce que. Ouais, il est du Rex. Chier. Il faut que je me barre, moi et mon bestiau. Oh, il me cherche encore, lui. Et bien là. C'est bien beau d'avoir tué le mammouth, mais maintenant faut réussir à le dépecer. Je vais pas pouvoir faire ce que je veux. Je vais pas avoir le temps. Je prends des gros risques. Non, je peux pas. C'est pas raisonnable. Tant pis. D'ailleurs, je me suis pris des coups. Ça fait chier. Bon, décidément, c'est pas évident, il fait trop froid, j'arrive pas à récupérer la fourrure, mais néanmoins, pour aller dans le froid, il faut que j'ai cette armure de fourrure. Parce que bon, si je dois me les faire qu'avec des pots de castor, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Et là, ça serait bien quand même que ça se calme au niveau climat, sinon je vais mourir. Merde, tu es où là? Non, c'est bon. Ah. Ouf. Ah, non, pas du tout. J'avais un petit moment tempéré là et merde. Je pense que je vais faire une grosse connerie en direct. J'arrive pas à m'en sortir du froid. Mais merde! Ah! Bouffe! Je peux pas faire mieux, faut que j'attende que ça remonte. Là, j'ai frôlé l'incident. De très près.
Ah tiens, Quetzalcoatlus. Ça fait un moment que j'en cherchais un. Et j'en avais pas encore vu. Donc ça faudra qu'on tame. Ça nous servira bien pour emmener des dinos sur les plateformes rocheuses pour faire des pierres, du métal et tout. Par exemple. Au transport éventuellement. Alors, bon, là je crois qu'il me manquait plus grand chose, donc je vais peut-être pouvoir me faire juste les chaussons fourrés. Je vais voir ça, ça sera toujours ça de prix. C'est quoi ce bruit? C'est quoi cette blague? Tiens, il y a... Allez, viens par là, je t'éloigne un petit peu, que les autres viennent pas foutre leur grande salle là-dedans. Ah, du mal à avoir la paix. Alors, j'ai fait mon premier morceau d'armure, donc j'ai oublié de filmer en plus, c'est malin. Et voilà. On va se glisser les chaussons à l'intérieur. Il me reste 34 de fourrure par rapport à tout ce que j'avais déjà ramené avant. Manger. J'ai plusieurs options. Soit je me calme avec le nord hein, tant que j'aurai pas justement une armure plus conséquente. Parce que celle-ci, donc, protection contre le froid 34. Ce que j'ai en ce moment, c'est combien? 7. Ouais, c'est pas tout à fait pareil, effectivement. De mémoire, ça pèse lourd, ça, par rapport, ouais, 6 kilos et l'autre que 500 grammes, quoi. Éventuellement, ce que je vais essayer de faire, vu qu'il me manque que 6 morceaux, je crois, de fourrure, déjà, pour faire les gants. On va y aller étape par étape. Je vais essayer de chasser, donc, Castor et, les autres espèces d'élan, je sais pas trop comment appeler ça, avec les grandes cornes, là. Enfin, ce qui est pas trop costaud, mais qui a de la fourrure tout de même. Tout c'est d'en trouver. Alors, du castor, je sais qu'il y en aura, voilà, droit devant, par là-bas. Tiens, tiens, gorille. Ça a pas de la fourrure, ça aussi. On dirait bien, hein. Est-ce que c'est costaud, cette affaire? Ça a l'air de taper quand même un minimum. Ça a l'air même de taper sévèrement. Non, j'en suis où, moi? Il est pas bien, hein. Il est pas bien en Argentavis, là. Il est où, l'autre? Ah, le voilà. Mais non, mais non, mais non, merde, mais tu vas où? Mais quel abruti sévère! Attends. Faut pas déconner. Mais viens là, sale bête! Ah bah, dis donc. Merde. Rien dessus. Il est où l'autre? Oh, tu me fais vraiment chier. Tu vas où? Oh, le team cartonne la tête. C'est
c'est bon, je peux plus le toucher. Toi, tu m'emmerdes. Allez, viens avec moi. Ça a cafouillé tant que ça a pu. Il est presque mort. Bien. Enfin bon, pas de bobo, donc c'est pas grave. Ça aurait pu moins bien se passer. Ah, tiens, justement, Castor, il y en a en dessous. Alors. Toi, faut que tu te reposes. Tu vas me laisser bosser. Je pourrais même faire du plein en bois. Ah, la fourrure, c'était mieux. Ça, c'était la hache que j'aurais dû utiliser. Hop. Bon, au moins, j'ai mes 6 morceaux qui me manquent pour faire les gants, déjà. Sur ça de prix. Tiens, j'irais bien me servir en sémantini paste. Je me suis fait claquer mon armure, ce qui est un peu logique. Ok. Tiens, bah, tu vas pouvoir bouffer un petit peu. Hop. On va tout transférer, hein. Tiens, un ours. Voilà, la première fois que j'en vois. Il a défoncé les serpents en 2-3 mouvements. Enfin, je suis plein de chez plein. Je mets 3 plombes à rentrer. Je me fais le deuxième morceau d'armure et je m'arrête là, de toute façon. Eh ben, je me rendais pas compte, mais c'est vrai qu'il est énorme, celui-là. Enfin, il est pas à nous. Il s'est planté plein milieu de la base, là, tranquille, il s'est invité tout seul. Du coup, il a dû voir qu'il y a une mangeoire. Il s'est dit, c'est gratuit, je reste. Enfin, qu'on l'aura un jour à nous, effectivement, faut de la place. Hein. Allez, on y va. Ah, j'ai oublié de demander à l'autre de s'arrêter. Bon, allez, reste au-dessus de mon stationnaire, t'es bien où t'es. Pile 40, alors armure, fourrure. Ouais, mes gants. Oui, il protège de combien? 34 contre le froid. Ok. Hop. Voilà. On voit mes mains. Ah ouais, j'ai des beaux gants. Allez, sur ce, salut tout le monde et à plus.